Bienvenue dans Discussion, on se trouve sur un jeu qui s'appelle Play With Me. C'est un jeu d'horreur développé par des Français. Du coup, on va dire le titre en français, Joue avec moi. Voilà, finalement, on va garder Play With Me, c'est plus stylé. C'est un jeu d'horreur gratuit qui a l'air absolument terrifiant et dans lequel on ne s'ennuie pas, m'avez-vous dit. Personne n'aime cette chanson. Je vois déjà tous les mecs qui ont peur des clowns fuir. Non! Restez là, restez! Tout va bien se passer. Presse et décaille tout star. Allez, c'est parti. Je suis sûr que tu as envie de jouer. Ouais, mais ne me regarde jamais dans les yeux. Ah d'accord, le mec c'est une racaille. Pas le regarder dans les yeux, sinon il te vole ton téléphone. Sauf si tu veux mourir. Ah c'est plus une racaille, c'est un gangster. Trouve les 4 bougies pour résoudre le puzzle. Puis prends la clé qui te permettra de retrouver ta liberté. Ok? Oh non, non, j'espérais qu'il y a encore beaucoup de blabla pour retarder le moment où on allait jouer. Oh, ok, 6. Ok, candles, faut que je prenne. Ok, super, on a une bougie du coup. Fantastique, faut qu'on se barre par où? Par là? Allez, on ouvre la porte mon gars. Ils ont une manie hein, de tuer les oreilles. C'est leur petit kiff. Bon, apparemment là il y a pas de clown et s'il faut descendre. Il y a une porte là-bas. Dans le doute. Oh, j'ai vu un truc rouge en bas, ça me plaît pas. Rouge comme l'enfer, rouge comme le nez du clown, rouge comme. T'as joué après que ta mère t'est punie parce que tu geeks trop Call of Duty, c'est trop long. Oh, oh. Quoi? Il y a un bruit de claquement de porte, la porte s'est pas claquée, c'est encore plus flippant mec que quand je claque vraiment. Ouais, je bégaye légèrement, ouais. Alors attends, qu'est-ce qu'on a là? Un jeu? Qu'est-ce qu'on a là? Un placard? Qu'est-ce qu'on a là? Une porte? Ok, on ouvre celle-là. Ah putain. Wow, pourquoi? C'est quoi, c'est le bruit d'un esprit qui traverse la route, c'est ça? Une salle de bain dans laquelle il y aura jamais de bougie, mais dans une salle de bain, ça sert à rien, ça sert à rien du tout, je fais n'importe quoi. Allez, on avance. Là, on a quoi? On est de retour dans un couloir. Mec, je fais toutes les portes, hein. Oh oui, une deuxième bougie. Oh, ah. Oh, leave me alone, bitch. Ok, on va prendre la bougie. Ah, je me suis fait mal à la voix. Je l'entends, c'est un petit peu irrité là-dedans. Je vais devoir prendre un strip seal avec un peu de miel, là. Hein? Ok, il nous en reste deux à prendre. Il nous en reste deux à prendre. Tout ça, c'était juste... Oh! Mais... Pourquoi? Mec, je suis choqué! Attends, on va descendre les escaliers, peut-être qu'il arrêtera de faire le clown. Excellent. Wow, mec! Il perd tellement pas de temps, ce clown. Ça dégage. Oh non, 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 je t'ai pas regardé dans les yeux. Arrête, 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 arrête. Quand je te regarde pas dans les yeux, tu ne fais pas ça. Troisième bougie, mon gars. Est-ce que... Il y a des bruits partout. C'est quand ils bougent? C'est quoi, en fait, ces bruits? Pourquoi il n'y a plus de bruit d'un coup? Oh mon dieu. Attends mais c'est terrifiant mon gars, bordel de merde. Arrête. Je me retournerai pas. Je respecte même pas ce que je dis quoi. Scandaleux. Alors oui, oui. Le coup de l'écran on connaît bien. Oh là ça s'assombrit. Ok on va aller à gauche. Oh, on va aller à gauche. Ok il y a la porte d'entrée qui est là. Au moins on a repris la porte d'entrée sur le... Mais qu'est-ce qu'une bougie fout dans le garage mon gars? Ah, il était là. Arrêtez! Ça me met en PLS mon gars. Gros il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses, mon petit cœur n'assume plus. Mon petit cœur va mourir. Attends je peux passer par là. Y'a des bruits pour rien! C'est génial, mec! On va passer là. Oh putain, la lumière c'est. C'est quoi ça? C'est juste du linge étendu, putain, mais n'importe quoi! Et pourquoi la lumière s'éteint là? Vous êtes sérieux? La pression! Ok, dors! Ça s'ouvre. On a rien, c'est une cuisine. Attends, mec, on trouve. Ta gueule! On trouve une bougie sur le capot de la voiture. S'il y a pas de bougie dans la cuisine, c'est un scandale, hein! Elles sont toujours dans, tu sais, dans un vieux placard pété que tu ouvres une fois par an, justement, que c'est ton anniversaire pour prendre les bougies. Y'a rien! Arrête! Putain, j'en ai marre! Oh putain! Hop! Oh, putain. Nani, comment estas? Muy bien et tout. Comment, comment para danzar? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Eh, il veut vraiment pas s'ouvrir, elle est vraiment fermée. Et bah voilà, on va dans le couloir sombre et humide qu'on évite tous. J'atterris où là? Dans la salle à manger de nouveau? Ah, parce que j'ai pas trouvé toutes les bougies, d'accord, ça doit être la pièce que j'ouvre avec la clé pour retrouver ma liberté. Alors, j'ai dû passer à côté d'une bougie, je pense que c'est là. Ah non, c'est les marches, n'importe quoi. Attends, je suis en train de me perdre. Je suis en train de devenir fou. C'est le clown qui m'en fout, c'est ça? J'ai extrêmement peur. Là, je peux que aller par là. Je peux que aller par là mon gars, alors pourquoi je tourne en rond comme une merde? Logiquement, à mon avis, il y a un placard à ouvrir ici, c'est sûr. Il y en a forcément dans la cuisine, il peut pas ne pas y en avoir dans la cuisine. Vous savez, je parle un peu doucement comme si j'avais peur que le clown m'entende. Putain, relou. Il y a pas une bougie dans un placard? Allez, arrête de mytho. Dans une boîte à pizza. Putain, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai compris, j'ai dû l'oublier en haut, je suis sûr qu'elle est là-haut. Elle est forcément là-haut parce que ça fait deux fois que je fais le tour d'en bas. Putain de clown de merde. Ah, maudit sois-tu. Cette pièce-là, je l'ai faite pourtant. Mais oui, la clé! Mais oui, mon dieu! C'est ça qui nous manquait! Ok, là, mec, le clown il va se dé... Voilà! Le clown il va se déchaîner, mec! Il a vu qu'on avait la clé, il va nous péter le cul! Ah non, il a fermé la porte, faut passer par l'autre porte, c'est ça? Ouais, la salle de bain, on n'a pas envie de mourir noyé dans un lavabo, hein? Qui m'appelle? Oh putain! C'est pas le moment là, c'est pas le moment là! C'est mon psy, il reçoit maison négative, il m'a déjà appelé! Où est la porte? Eh non! Arrêtez! Ok, alors un mec, il y a toutes les portes de la maison qui arrêtent pas de se claquer. Mais sauf que moi, ce que je sais, c'est que la porte par laquelle s'enfuit, elle est là! Elle est juste là-bas. Le clown il dégage. Attends, le clown il a migré vers... What? C'est le nez du clown. C'est le nez du clown. C'est le nez du clown.
Eh ben franchement bravo aux étudiants français parce qu'il se passe 1000 trucs à la seconde dans ce jeu, c'est assez ouf mon gars, le gars qui court, les bruits, les machins. Et c'est souvent ce que je pense dans les jeux d'horreur qu'on fait, c'est que il se passe rien. Voilà, il y a juste 2-3 bruitages de temps en temps, on voit jamais le truc qui nous poursuit et qui va sûrement nous couper la gorge dans d'affreuses souffrances. Alors que là tu le vois, il est là, il te sourit à la gueule, il se moque. J'ai bien aimé. Oh, je suis déçu, on aurait aimé que le jeu dure plus longtemps, purée, il a fallu sécher les cours et passer plus de temps à le coder, hein. Ne faites pas ça. À très prochaine vidéo, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace. Alors non je. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Voilà, j'ai fait ma blague, c'est de la merde.